Donc, rebonsoir à toutes en France. Ce soir, méditation chamanique équinoxe. Alors, ce qui est très important et ce que je viens de partager avec quelques-unes d'entre vous, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans l'année de l'anneau de Saturne qui a un impact, c'est-à-dire ce qu'on va faire, penser, dire ces 3 prochains jours ont un impact sur les 30 prochains jours, qui ont un impact sur les 9 prochains mois, qui ont un impact sur les 7 prochaines années. Donc, autant vous dire qu'on rentre dans un portail super puissant. Soyons vigilantes sur nos pensées, nos paroles, nos actions et qu'on soit le plus aligné possible à notre mission. Parce que pour toutes celles qui sont ici, si je regarde, nous sommes toutes appelées à servir la Terre d'une façon ou d'une autre avec nos dons. Donc c'est le moment ou jamais d'être vraiment alignée et puis d'être dans cet égrégore, là j'ai les frissons partout, de servir au mieux la France, mais la Terre en globalité. Et donc je ne serais pas étonnée si aujourd'hui dans la méditation chamanique, mes guides nous emmènent un petit peu sur tous les continents aussi. Un vœu très fort de nous toutes pour l'équilibre du masculin-féminin. C'est là où je vais nous emmener aujourd'hui et ceux qui nous regarderont après à l'union de votre masculin-féminin, à leur donner un nom en interne pour que cela ait un effet domino sur la Terre parce que plus nombreux et nombreuses nous serons, c'est valable pour les hommes et les femmes, à vivre cette union en nous. Et plus nous serons équilibrés, plus nous serons en harmonie, et plus nous serons en symbiose avec la mère Terre, qui est cette représentation du masculin-féminin partout, dans toutes les créatures. Et donc, couper les liens de codépendance, hein, et ça, vous allez voir l'effet domino certainement après autour de vous, dans toutes vos relations, que ce soit familiales, amicales, professionnelles ou spirituelles. Pour que l'on puisse vivre toutes, c'est mon souhait aujourd'hui le plus profond, que l'on atteigne notre plus haut potentiel pour servir Etugen, la mère terre, et Tengri, le grand ciel éternel, et que nous puissions voir peut-être de notre vivant un aspect pacifique sur terre, l'amour divin sur terre. C'est peut-être idéaliste, mais j'y crois. Et en tout cas, si ce n'est pas de notre vivant, que nos enfants et nos petits-enfants puissent le vivre. D'accord? Donc, on y va. J'enlève mes lunettes. Vous fermez les yeux. Vous enlevez les lunettes. Et donc, je vais prendre mon tambour du Brésil qui a la petite libellule derrière. J'ai un toli ici, ce qui a fait un peu le tollé général sur Instagram. Tout le monde a demandé ce que c'était. Ce n'est pas un gong, c'est un toli de Mongolie qui a l'emblème du loup. Et là, j'ai ce qu'on appelle un mangic avec les serpents, les petites amulettes, etc. en protection. On va commencer, je vais répéter une affirmation que j'aime beaucoup, qui est la lumière du cœur et qui vient de bouquin L'alchimie du cœur que j'ai recommandé à beaucoup d'entre vous. Donc, on y va. Petite pause. Et donc, vous êtes toutes en mute, mais vous pouvez le répéter pour vous. Je suis la lumière du cœur. Brillant dans les ténèbres de l'être et changeant tout en un trésor doré de l'esprit du Christ. Je suis, et là on met la main sur notre cœur, on invoque notre présence divine. Je suis et je projette mon amour de par le monde. Donc je répète, il y a quelqu'un qui rentrait sur la plateforme. Bienvenue Gaëlle. Je suis et je projette mon amour
de par le monde pour effacer toute erreur et briser toute barrière. Je suis le pouvoir d'amour infini, s'amplifiant jusqu'à sa victoire dans le monde sans fin. Et vous pouvez répéter plusieurs fois, je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis. Je vois déjà des bâillements, vous êtes déjà en train de transmuter, formidable. Je suis qui je suis, je suis qui je suis. Vous pouvez accélérer pour vous ancrer dans votre présence divine. Je suis qui je suis, 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 je suis qui je suis. Je suis unie au feu violet qui est mon aura et mon pouvoir de transmutation. Je suis qui je suis, 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 je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Rama ho ho. Vous êtes dans une grande vallée entourée de montagnes. Une grande vallée avec des fleurs sauvages, les fleurs de printemps. Une grande vallée avec des fleurs sauvages hautes. Et quand vous marchez, les fleurs arrivent à votre taille et vous pouvez les toucher. Effleurez ces fleurs sauvages de vos doigts. Imprégnez-vous de ces couleurs, de cette douceur, et vous marchez dans cette vallée entourée de montagnes et de sommets enneigés. Vous vous connectez avec la sagesse des montagnes. Au loin, vous avez un grand arbre, un if. L'if est l'arbre spirituel par excellence, l'arbre de Merlin, un grand if de plusieurs milliers d'années, un grand if, l'if de la sagesse. Il a une porte ouverte. Vous continuez à marcher dans cette grande vallée en touchant les fleurs sauvages, en ancrant bien vos pieds dans la mère terre. Continuez à marcher vers ce grand if qui a la porte de son tronc ouverte et vous êtes presque arrivé à la porte. Et vous baignez dans ces fleurs sauvages et vous regardez une dernière fois autour de vous ces montagnes, la sagesse des montagnes et les sommets enneigés. À l'intérieur de l'arbre et tout est vert et l'arbre commence à vous parler. Relaxe-toi, respire profondément, laisse ma sève monter en toi. Ton sang est ma sève, ton sang est ma sève. Je suis le sang de tous les êtres de la planète. Ma sève est le sang de tous les êtres de la planète. Connecte avec ma sève, la sève de l'if, l'if, l'arbre millénaire de la sagesse spirituelle.
avez un escalier devant vous qui descend dans l'entre-terre. L'escalier est étroit, mais tout est vert et vous sentez la sève de l'arbre vous alimenter, vous protéger. Descendez, descendez petit à petit dans cet arbre. Descendez petit à petit, respirez profondément. Tout est vert, le chakra de votre cœur s'ouvre et est rempli de sève vitale de cet arbre millénaire, de la sagesse millénaire. L'escalier, vous vous trouvez dans une grosse grotte, mais cette grotte est froide. Vous voyez des stalactites glacées qui descendent de la grotte. Vous sentez cet effet froid en vous. Soulagez votre cœur, soulagez votre cœur. Les stalactites fondent petit à petit en goutte à goutte. Le goutte à goutte des stalactites qui fondent, de la froideur qui fond de votre cœur et vous sentez petit à petit cette grotte se réchauffer. Tout est pratiquement fondu. Votre cœur se réchauffe et se soulage. Vous avez une petite barque, en fait une gondole. Une gondole, et vous montez dedans et vous détachez la gondole. Elle est décorée. La gondole est décorée. Sur la proue, vous avez un dragon d'un côté et une grande prêtresse de l'autre, une grande sirène prêtresse. Le dragon masculin, le feu, l'eau et la terre. Et la prêtresse de l'autre côté, votre déesse intérieure. Vous montez dans cette gondole et vous avez un grand bâton et vous allez pousser vous-même ce bâton pour faire avancer la gondole. Au loin, vous voyez une grande lumière à la sortie de cette grotte et vous poussez cette gondole vers la sortie de la grotte. Chou! Vous poussez et le fond de la grotte s'agrandit, s'agrandit, la lumière vous emplit, la lumière vous emplit. Laissez cette lumière remplir votre cœur de tout le spectrum arc-en-ciel. Tout le spectrum arc-en-ciel emplit, emplit votre cœur et vous avancez vers cette lumière. Le soleil vous illumine. Le soleil vous illumine, illumine votre cœur et vous sentez renaître, vous renaissez, vous êtes en harmonie avec ce dragon et cette grande prêtresse. Au loin, vous voyez une petite île sauvage avec beaucoup, beaucoup de verdure, beaucoup d'arbres, beaucoup d'oiseaux. Et vous continuez d'avancer, c'est le flot, le courant naturel qui vous pousse cette fois. Plus d'efforts, laissez le bâton, laissez le bâton. Jla! Jla! Laissez le contrôle. Shamarakaranaiu, Aparachakaranahe, Maranaira, Sha! Laissez le bâton,
laisser le contrôle. Chat, jeter le bâton dans l'eau. Le bâton est dans l'eau. Le bâton est dans l'eau. Laissez-le, laissez-le, laissez-le. Vous arrivez vers la rive et l'eau devient bleu turquoise, bleu turquoise, de l'agate, du quartz, de l'émeraude. Toutes ces pierres sur cette île, toute la végétation, tous les oiseaux. Descendez de la gondole et vous faites le tour de l'île. Marchez sur ce sable chaud couvert de pierres précieuses, cette mer bleue, verte. Écoutez le chant des oiseaux, regardez les créatures sauvages de toutes les couleurs. C'est votre paradis, c'est votre sanctuaire. Les chutes d'eau, au loin, une chute d'eau à votre droite, une chute d'eau à votre gauche. L'équilibre, l'équilibre, équilibre, harmonisé, harmonisé, équilibré, harmonisé, équilibré, harmonisé, équilibré. Shomare karanahe, aprate karanahe. Dansez, dansez sur la plage, dans l'eau, mettez-vous dans l'eau. Laissez aller, laissez aller, laissez aller les doutes, les peurs, les frustrations. Laissez aller, baignez-vous dans cette eau remplie de turquoise, remplie de saphir, remplie de diamants. Baignez-vous dans cette eau. Yes. Dansez, c'est la joie de la vie qui entre dans votre cœur. Dansez, dansez, dansez. À l'intérieur de vous, votre homme interne et votre femme interne se réveillent. Ils sont en vous dans cette joie, dans cette harmonie, dans cet équilibre. Ils vous appellent. Leur nom vient à vous. L'homme avec la chute d'eau, la cascade, la femme avec cette cascade plus douce. Chamarakare, oh, abratakare. Souriez, ils vous sourient, ils sont là pour vous. Plus aucune décision à prendre seule, plus aucune décision à prendre seule. Plus aucune décision à prendre seule, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Cet homme est là avec sa force et son courage. Cette femme est là avec sa créativité et son inspiration. Ils sont tous deux à l'intérieur de vous pour chanter la musique de votre cœur. Remerciez-les, remerciez-les, appelez-les par leur nom. Gratitude, gratitude, gratitude. Et vous voyez toutes ces centaines de personnes et d'enfants qui descendent, qui arrivent en bateau vers vous pour vous apporter les cadeaux et les présents les plus beaux de la terre, ce que vous n'imaginez même pas. Ce que vous n'imaginez même pas, tous les trésors du cosmos et de l'intra-terre. Ils arrivent tous en bateau à voile,
on barque. Tout le monde vient avec ses présents. Il vous offre les joyaux les plus beaux de la terre et du cosmos. Et vous souriez, vous les remerciez. Ils arrivent par centaines, par milliers. Tout ce que vous désirez, vous désire encore plus. Tout ce que votre cœur désire, le désire. Votre cœur le désire profondément, le désire profondément. Et tout ce désir grandit en vous. Tous ces présents vous sont offerts avec bienveillance, avec amour, avec intégrité. Avec bienveillance, amour, intégrité. Bienveillance, amour, intégrité. Bienveillance, amour, intégrité. L'abondance de la terre et du cosmos est en vous. Chiri-hou. Vous remerciez toutes ces personnes et vous les laissez repartir. Vous savez que vous pouvez revenir et qu'elles reviennent aussi vers vous. D'autres personnes viennent, d'autres créatures viennent. Vous êtes unis avec votre homme et votre femme intérieure. Vous êtes unis avec l'amour divin. Votre cœur soulage ses souffrances et vous entrez dans la joie. Dans votre gondole et vous regardez ce paysage et vous emmenez, si vous voulez, des poignées de sable remplies de diamants, d'émeraudes, de rubis. Et votre cœur bat à l'unisson avec ce sanctuaire. Votre cœur de rubis rouge, votre cœur de diamant, votre cœur de diamant. Votre cœur de rubis rouge, votre cœur pur, votre cœur de diamant, votre cœur de rubis rouge. Il bat, il expanse, il expanse. Chut! Chut! Il bat et il expanse, il expanse. Et vous repartez heureuse dans cette gondole et vous sentez le courant vous emmener à nouveau vers la grotte. La grotte au loin vous appelle. Et là, elle vous fait rentrer dans son entrailles, l'entraille du ventre de la mère terre, 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 entraille du ventre de la mère terre, l'entraille du ventre de la mère terre. L'entraille du ventre de la mer terre, l'entraille du ventre de la mer terre, l'entraille du ventre de la mer terre. Et là, vous vous sentez bien. Votre ventre est à l'intérieur du ventre de la mer terre. Vous faites une, un, avec votre cœur bat à l'unisson avec le ventre de la mère terre. Chou, chou, chou. Et là, vous vous laissez pousser le long de la grotte et toutes les créatures de l'intra-terre vous saluent. Et vous acceptez vos zones d'ombre, vous les acceptez, l'humidité du ventre de la terre. La porosité du ventre de la terre, les aspérités du ventre de la terre, vous les acceptez, toutes font partie de vous. Toutes les aspérités, tout l'aspect rugueux, tout l'aspect à vif, vous l'acceptez en vous.
n'a pas de label, il fait partie de vous et votre homme et votre femme intérieure l'accepte aussi. Il se réjouit s'il l'aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et vous laissez cette gondole avancer, toutes les créatures de l'intra-terre vous saluent. Jusqu'à ce que vous arriviez à nouveau à la rive où vous allez attacher la gondole. Rihou, rihou. Et vous regardez pour une dernière fois cette grotte qui est l'image de votre grotte interne avec toutes ses aspérités. Et comme vous l'aimez, cette grotte, elle vous permet l'accès à la lumière éternelle de votre paradis intérieur. Merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Gratitude, gratitude à toutes ces aspérités, tout cet aspect rugueux. Gratitude. Gratitude, je me fonds au battement du cœur de la terre. Shumaratatate, 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 shumaratatate. Vous attachez votre gondole, vous descendez et vous remontez petit à petit l'escalier. Vous vous sentez légère, libérée, légère, légère, légère. Vous montez cet escalier, vous êtes légère. Comme un papillon, comme un colibri, le papillon, le colibri. Chiri-hi-hi-hou, marakaranaye, chakaranaye. Apratakaranaye, amai chakatai, moi kuru. Vous arrivez en haut de l'escalier. Et là, vous baignez à nouveau dans la sève de l'arbre qui ne fait qu'un avec votre sang. Chikaranae, apratakae, l'arbre est joyeux de vous avoir permis cet accès. Ramatakae, shamaratae, vous ancrez bien, ancrez vos jambes, vos pieds dans l'intra-terre. Ancrez comme les racines de l'if dans la sagesse millénaire. L'if est l'arbre de la grande sagesse millénaire européenne. Ancrez vos racines dans la sagesse millénaire. Shamarakarana, eh oh, ancrez, 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 intégrez, intégrez, intégrez la sagesse millénaire. Shamaraka, eh oh. Et là, vous sentez légère, légère, légère. Et vous dites merci, gratitude à l'arbre, gratitude au grand tif. Et vous allez sortir et refermer la porte derrière vous. Et vous vous asseyez dans cette prairie de fleurs sauvages. Toutes les couleurs, toutes les sensations, toute la douceur, vous sentez la brise légère. Et vous regardez ces grandes montagnes autour de vous, toute cette sagesse, le calme, la tranquillité en vous, l'assurance que vous pouvez retourner dans ce sanctuaire autant de fois que vous voudrez, la confiance et la foi en vous, que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de la réconciliation du cœur, l'alignement à votre mission de vie, de bien-être, au service de la grande mère Etugène et du grand ciel éternel Tengri. Gratitude, 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 des millions de gratitude, tout ce que vous désirez, vous désire des millions de fois plus. Tout ce que je désire profondément, me désire des millions de fois plus. Gratitude, gratitude à l'équilibre de la terre, gratitude à la paix sur terre, gratitude à toutes les créatures du cosmos et les créatures terrestres. Shamarea, hey.
Et là, vous pouvez vous asseoir dans la prairie ou vous allonger et revenir. Je suis tapée. Tamare. Bougez les épaules et les jambes. Les pieds, tapez les pieds, tapez les mains. Bon retour, bienvenue. Ça allait bien? Tout le monde va bien? Magnifique. Si quelques-unes d'entre vous veulent partager quelque chose, je vous conseille de boire de l'eau. Ce que je fais toujours dans les sessions, celles qui ont déjà commencé avec moi le savent, vous buvez une gorgée et vous faites comme si vous faisiez un rince-bouche et vous avalez, vous le faites 3 fois. Et vous pouvez le faire une fois qu'on aura terminé. Si personne, je vais demander à Marie-Pierre de partager ce qu'elle a à dire sur son livre qui va tomber à pic pour ce joyeux équinoxe. Tout à fait. Bonjour à toutes. Ben, merci Violetta pour ce joli voyage. Là, je t'ai vraiment partie. Mais quand tu as parlé des ombres, bah ça tombe bien. Alors, je ne sais pas si avec l'écran, on va le voir. Alors, comment il faut que je fasse pour le voir? Hop. Non, je vais enlever le fond d'écran parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, oui, je vous présente effectivement mon dernier livre. C'est le 8e qui s'appelle « La clé est à l'intérieur ». Et le sous-titre, c'est « J'éclaire mes ombres grâce aux signes et aux synchronicités ». Donc, je pense qu'on était dans le thème. Moi, je ne connaissais même pas le titre. Alors, pourtant, tu m'as demandé d'en parler. C'était pile poil dans le thème. Ah, oui, on était alignés là, oui. On était alignés, voilà. Donc, cet ouvrage est chez l'imprimeur, là, pour l'instant. Il va être publié début avril. Et en fait, c'est mon histoire que j'ai revisitée 8 ans après le premier, qui est mon autobiographie que j'ai appelée Inspirante et qui permet de faire des liens entre toutes les expériences que j'ai vécues, entre toutes les personnes que j'ai rencontrées et surtout celles qui m'ont tiré vers le bas et retirer les messages qu'a voulu me transmettre la vie. Et donc, dans ce livre-là, je vous accompagne pour descendre de plus en plus profond dans vos ombres, justement, dans les racines de l'arbre, parce que j'aime bien la symbolique de l'arbre. On est vraiment synchro, Violetta. Donc voilà, vous pourrez le retrouver sur mon site internet. Alors, il fait 444 pages, 88 pages en couleur. Voilà, il y en a quelques-unes ici. Ça, c'est quoi? Je respecte mes besoins. Photos et dessins. Bon, voilà, il y a des dessins, il y a plusieurs parties, ma relation à l'argent, ma relation aux hommes, il y a justement le féminin, le masculin sacré. Il y a Formidable, on beaucoup, était beaucoup de contenu dans cet ouvrage qui m'a fait déjà beaucoup travailler aussi, même si je travaille sur moi depuis longtemps, rien qu'à l'écriture de ce livre, et qui a fait beaucoup travailler ma fille aussi, qui l'a lu et qui a été un peu chamboulée, j'avoue. Qui m'a dit, ouais, d'accord, je comprends mieux certaines choses et je vais mettre en pratique ce que tu préconises. Donc, bon. suite au prochain épisode. Merci, merci, gratitude, Merci. Marie-Pierre. Donc, eh ben, écoutez, gratitude à toutes d'avoir partagé ce moment. J'attends vos retours et témoignages. Et puis, pour celles qui vont commencer très bientôt avec moi, bienvenue dans la tribu. Et puis, on refera ça. Alors, je fais normalement des événements gratuits comme ça aux grandes périodes de portail, équinoxe, solstice. Puis, de temps en temps, quand mes guides me disent, bon, bah, t'en refais un à ce moment-là. Là, on est vraiment dans une grande période énergétique qui va nous bousculer, mais qui est aussi optimale pour notre transformation.
parce qu'aujourd'hui, l'équinoxe, on a le même pourcentage de lumière et d'obscurité. Donc, c'était très, très beau de faire ça aujourd'hui. Et puis, on refera certainement au solstice, qui sera solstice d'été pour vous, solstice d'hiver ici pour moi, mais en fait l'hiver est assez doux ici au Brésil. Et puis voilà, l'union, j'étais vraiment très très heureuse de faire cet événement avec vous depuis le Brésil et la France. Je pense que vous avez senti l'énergie forte du Brésil, il continue de pleuvoir, donc là je pense que la terre a besoin d'être hydratée, puis la terre a besoin d'être nettoyée, n'est-ce pas? Donc, de mon cœur à votre cœur, je vais terminer cet enregistrement-là pour aujourd'hui. Et puis, on peut... Alors, stop recording.